sais, chez moi, il y avait un accident. Si, il y avait un accident à cause de Madame Pompine. Madame Pompine, c'est ma voisine du dessous. Madame Pompine, elle a un monsieur. C'est pas son vrai monsieur. Quand le vrai monsieur Pompine, il va faire sa dure journée de là-bas, il est tiède. Il y a Monsieur Trouchinet qui arrive. Et Monsieur Trouchinet, c'est un autre facteur. Celui qui accomplit son travail viril tous les matins. Et quand il est fatigué, les dames lui donnent du café. Eh ben, c'est toujours chez Madame Pompine qu'il va boire son café, Monsieur Trouchinet. Et quand il arrive, ben Madame Trouchinet, elle met son canari sur la fenêtre. Quand c'est l'hiver, il claque des dents, le canari. Il faut voir dans quel état il ressort, hein, quand il va boire son café. Et puis hier, il y a Monsieur Pompine qui est revenu, juste au moment du café. Madame Pompine a crié, rien ne sert de se couvrir, il faut partir à poil. Monsieur Trouchinet, il a passé par la fenêtre. Et puis Madame Pompine, elle lui disait, mais saute, saute. Il dit, mais t'es pas folle, on est au 13e étage. C'est pas le moment des supernicieux. Saute. Il a sauté, Monsieur Trouchinet. Elle est tombée sur le trottoir et il a rebondi sur une voiture qui passait là. Ouais, elle a fait un tête sur queue. Et elle a décapité une jambe. L'ambulance, elle est venue. Ils lui ont tout de suite fait une piqûre anti-britannique. C'est parce que c'était une voiture anglaise qui l'avait renversée. À la maison de santé qu'ils appellent ça justement parce qu'il n'y a rien que des malades. Avant quand même il m'avait mis la jambe dans un cornet en plastique. Il y avait même la concierge qui lui avait apporté un petit verre de rhum. Elle lui avait dit tenez prenez ça, ça vous remontera. Elle avait dit non merci j'en reviens. Et puis ils sont partis dans l'ambulance. Pédélite, pédélite, pédélite. Après, ils ont regardé dans ses affaires qui étaient tombées sur le trottoir. Il y avait le dentier de Monsieur Trouchinet. Qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Trouchinet, sans ses dents? Il va s'en mordre les doigts d'être venu prendre le café chez Madame Pompine.